Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'iceberg autour de BTS. Encore une fois, je me répète, mais je vous conseille de regarder la première et la deuxième partie si vous ne l'avez pas fait, car il y aura sûrement beaucoup de références que vous n'allez pas avoir dans cette vidéo. Et c'est maintenant que tout commence. Les dessous de l'iceberg, ça commence maintenant. C'est le moment où je te conseille de reculer. Tu vas pas le faire, hein? Ta curiosité malsaine te jouera des tours un jour. Et il est possible, à mon avis, que ce soit aujourd'hui. Ok, libre à toi si tu te sens prêt, vas-y. Continue. Mais un petit conseil, fais attention. Jungle de BTS. Jungle est une reprise par Jin, V, Jimin et Jungkook tirée de la chanson du trio américain X Ambassador. La cover est sortie le 11 janvier 2021 et apparaît comme musique de fond de la publicité Coca-Cola Indonesia. Et ouais, si vous ne connaissez pas cette reprise de la vocal line et cette pub, je vous la conseille car elle est vraiment stylée. Beaucoup d'ARMY demandent à avoir cette cover en entier sur internet un jour, mais pour le moment, on devra se contenter de seulement une minute, et c'est trop peu. Disparition d'ARMY. Le groupe 방탄소년단 BTS를 만나기 위해 한국에 간다며 가출한 파키스탄의 10대 소녀 두 명이 경찰에게 발견됐습니다. J'ai pas forcément envie de rigoler avec cette info, car elle est assez grave et surtout très dangereuse. Deux ARMY adolescentes de 13 et 14 ans ont été portées disparues au Pakistan durant l'année 2023. Comme l'a rapporté le père de l'enfant de 13 ans, son ami est venu lui rendre visite. Lorsqu'il est rentré chez lui après un voyage, sa famille lui a dit que les filles étaient sorties. Quand il les a cherchées, il ne les a trouvées nulle part. Lors d'une perquisition à leur domicile, la police a trouvé un journal révélant leur intention de se rendre en Corée du Sud pour rencontrer BTS. Les filles se cachaient pour passer inaperçues. Elles étaient déguisées et vêtues d'une certaine manière pour ressembler à des garçons, selon l'agent qui les a trouvées. Alors certains peuvent trouver cette info débile et sans intérêt, mais je trouve que ça prouve bien l'obsession que certains ont pour le groupe. Et c'est flippant qu'à cet âge, elles fuguent pour retrouver des chanteurs qui ne les connaissent même pas. Le pacte entre Jungkook et Suga. Allez, petite théorie moins connue aux yeux du public, mais intéressante. Au début du clip Fire, on remarque une silhouette habillée avec un pantalon et un gros manteau noir. Suga lui tend la main pour qu'il finisse enflammé. Mais qui est-ce et pourquoi il s'enflamme? Pour beaucoup, Suga aurait vendu son âme qui a scellé son destin à mourir dans les flammes. Jungkook a essayé à plusieurs reprises de le sauver, de l'aider, mais il n'y arrive jamais. C'est pourquoi dans Fake Love, quand Jungkook retrouve une silhouette avec un long manteau noir, il serait sûrement sur le point de lui aussi vendre son âme, mais pour sauver Suga. Pourquoi Suga a tenté de vendre son âme? Est-ce que c'est pour protéger Jungkook à l'origine? On n'a jamais vraiment eu de réponse à cette théorie. Forever Rain. On va parler encore une fois de la sœur de J-Hope pour un fait surprenant que je pense peu de personnes savent. En effet, Jiwoo apparaît dans le MV Forever Rain du solo de RM. Bon, elle apparaît pas vraiment puisque c'est un clip animé, mais c'est elle qui fait partie officiellement des animateurs de ce clip, ainsi que le frère de Jungkook. Donc voilà, la 7ème chanson de la mixtape Mono est animée par des personnes que l'on connaît simplement dans leur ombre. SZA est mauvaise. SZA, c'est une chanteuse de néo-soul, mais aussi autrice, compositrice et interprète de R&B plutôt réputée. Pourquoi parler d'elle? En réalité, certains membres de BTS, Jungkook, Jimin, V et J-Hope, ont pris le temps de profiter de leur temps libre pour aller au concert de Harry Styles le 20 novembre 2021. Les 4 membres étaient assis à côté de Lizzo et SZA. Le concert semblait plutôt bien se dérouler. Cependant, un internaute a interrogé la chanteuse sur son expérience de la rencontre avec les 4 membres de BTS lors du concert de Harry Styles. Elle a répondu que Lizzo avait essayé de lui présenter BTS, mais qu'il s'en fichait.
Elle a rajouté qu'elle ne pensait pas qu'ils savaient qui elle était, mais qu'ils étaient gentils. Les fans de BTS et les non-fans n'ont pas trop compris pourquoi SZA a dit cela, puisqu'on a retrouvé pas mal de photos et de vidéos de BTS et les filles s'entendent parfaitement bien. Et surtout, la barrière de la langue ainsi que l'ambiance d'un concert n'est pas spécialement agréable pour faire des rencontres comme il se doit. En plus, V semblait lui faire un câlin, donc ne pas s'en foutre comme elle l'a dit dans son tweet. Les fans de SZA ont eu plusieurs propos racistes envers BTS à cause de cela, et les ARMY ainsi que les fans de Harry Styles ont naturellement défendu le groupe qui semblait plutôt accueillant, mais simplement pas prêt pour faire une nouvelle rencontre en plein concert, alors que le but c'est tout de même de s'amuser et d'écouter les musiques. À vous de me dire ce que vous en pensez, sans dénigrer personne. La vidéo supprimée de RM. Un jour, pour rire, Jungkook et V ont posté une vidéo légèrement dénigrante à l'effigie de RM alors qu'il attendait calmement dans les loges pour performer. RM a carrément ordonné aux deux membres de supprimer cette vidéo de Twitter, ce qu'ils ont fait immédiatement par la suite. Cette vidéo n'a rien de bien méchant, en effet, mais vous savez que RM est souvent critiqué par certains pour son physique hors des normes coréennes, donc le voir bouche ouverte et l'entendre ronfler, ce n'est pas flatteur. Sachez que cette vidéo est tout de même retrouvable grâce aux ARMY qui ont enregistré rapidement celle-ci, mais qu'elle reste une vidéo cachée que RM n'a jamais vraiment appréciée. Map of the Psyche. Carl Jung est un psychiatre et un psychanalyste suisse qui a fondé la psychologie analytique. Son travail a eu une influence non seulement en psychiatrie mais aussi en anthropologie, archéologie, littérature, philosophie et études religieuses. Il y a deux sujets entourant Carl Jung et BTS. Le premier étant Map of the Psyche, puisque si on observe bien ce schéma, nous pouvons voir Ego et Shadow qui ont été deux solos des rappeurs présents dans Map of Soul 7. Puis nous voyons Persona, et de l'autre côté Anima ou Animus. Beaucoup ont cru que l'outro de l'album Persona serait Anima, mais bizarrement, il n'en est rien. Alors soit cette musique a été annulée plus tard, ou alors, on pourrait passer à une autre théorie. Les 7 animas de BTS. Qu'est-ce que l'anima en réalité ? Anima représente la femme dans les hommes. Selon Carl, il existe certaines caractéristiques féminines secondaires chez les hommes. Grâce à l'anima, un homme peut avoir un côté rationnel, sensuel, et l'image la plus connue pour décrire l'anima, c'est une maman. Bon, des représentations de maman, on en a eu plusieurs dans différentes musiques. Mais en allant un peu plus loin, et si les filles dans Love Yourself représentaient l'anima des garçons ? Les filles sont les expressions de l'inconscient de leur véritable moi intérieur. Je m'explique. Jungkook aime se donner à fond et ne se soucie pas des autres pour ça. Son anima lui montre quand s'arrêter et faire preuve de compassion. Yoongi est souvent distrait, fume et donc ne prend pas soin de lui. Son anima arrête ses habitudes toxiques et change pour le mieux, concentré sur ce qu'elle fait. Namjoon est passif, réfléchit et attend peut-être sûrement trop. Son anima est actif et utile, elle passe à l'action. Taeyong vit en connaissant et suivant les règles, ne ressentant pas un sentiment de liberté. Son anima le suit partout, vole et est un esprit totalement libre. Jimin et Hoseok ont tous les deux une anima identique, puisqu'ils ont tous les deux traversé la même douleur qui est abandonnée à cause d'une maladie qu'ils ont eue quand ils étaient enfants. C'est peut-être pourquoi les deux semblent toujours se fermer comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ils manquaient tous les deux de l'amour de leur mère. L'anima des garçons est comme une mère poule, aimante et attentionnée. Et pour Seokjin, il est blessé par ses luttes et regrette ce que lui et ses amis ont vécu. Il semble même vouloir les oublier. Son anima laisse tomber un journal au début de la vidéo pour essayer de persuader Jin de toujours chérir tous ses souvenirs qu'il a fait avec ses amis. Mais malheureusement, selon Carl Jung, un homme doit abandonner son anima pour devenir pleinement un homme. Rassurez-vous, selon cette théorie, la perte d'un anima avant la seconde moitié de la vie d'une personne ne fait aucun mal. On remarque que Taeyong et Namjoon perdent leur anima volontairement, Yoongi la lâche par frustration, Jungkook a l'impression d'avoir perdu brutalement celle-ci comme un décès, Jimin l'a perdu à cause de trop d'émotions incontrôlables, et Hoseok et Seokjin semblent mélanger toutes les raisons des autres. Perte un peu trop brutale, frustration, trop d'émotions et volontairement. Cette théorie est franchement incroyable et je ne peux pas rentrer dans les détails de celle-ci de peur que la vidéo dure trop longtemps, mais je vous conseille de vous renseigner dessus. Le teaser de Ayo. Avez-vous déjà entendu parler de Ayo ?
Cette musique a été postée par Suga lui-même sur Twitter. Évidemment, on a tous attendu le reveal de cette musique, mais encore à l'heure actuelle, elle n'est jamais apparue dans la discographie de BTS. La musique aurait été soi-disant remplacée par Deng, sorti en 2018, pour la première fois lors du BTS Festa 2018. Mais alors qu'on attendait un retour de Ayo dans la nouvelle mixtape de Suga, elle n'y est toujours pas. On ne sait pas ce qu'est devenue cette musique, et personnellement, je l'attends toujours avec impatience. Et vous ? J-Hope Fall. Vous le savez, J-Hope se donne toujours dans chaque comeback, et le concept de repos est inconnu pour lui. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de deux anecdotes similaires. À force de se donner trop à fond, il est déjà tombé plusieurs fois pendant plusieurs tournages. Notamment pendant le tournage de Boy in Love, mais il s'est aussi et surtout évanoui à plusieurs reprises en réalisant la danse We Are Bulletproof. Il raconte que du sang s'accumulait dans ses pieds et ne circulait pas correctement pendant qu'il dansait, tant celle-ci était complexe et beaucoup trop intense. Alors désolé pour les personnes qui sont sensibles, mais il a été obligé d'extraire le sang présent dans ses pieds. Ouais, c'est pas vraiment joyeux et c'est pas vraiment une anecdote qu'on a envie de connaître quand on est attaché à lui. L'enregistrement maudit. L'enregistrement maudit, c'est une histoire racontée par Jungkook lors de la conférence de presse de l'album Wings le 10 octobre 2016. Celui-ci raconte qu'il venait de terminer son enregistrement dans une chanson de l'album et qu'ils ont réalisé après une courte pause que toutes les parties de Jungkook avaient disparu. Bien que confus, il est retourné et a enregistré ses parties solo une fois de plus. Les membres du groupe ont décidé de rejouer la chanson après avoir enregistré et ont réussi à entendre une voix mystérieuse pendant les parties de Jungkook qui était censée être vide à ce moment. Lors de l'interview, Jungkook s'est demandé si c'était quelque chose qui avait été fait par des fantômes et a estimé que cet album allait avoir beaucoup de succès suite à cette affaire. Il ne pouvait pas savoir que dans le futur, cet album allait être l'un des plus rentables pour le groupe par la suite. Leur album Wings a été le plus vendu en Corée en 2016, c'est également classé numéro 1 sur le iTunes Top Album Chart, et la chanson-titre de cet album, Blue Teeth and Tears, leur a donné l'honneur de gagner leur premier Daesang cette année-là. Peut-être qu'il s'agit que d'une coïncidence, mais en tout cas, cet album a été une réussite suite à toutes ces expériences paranormales. Diète extrême de Jimin. Bon, il fallait bien que j'en parle. Il s'agit d'un sujet délicat, mais assez important, surtout pendant une période compliquée de Jimin. Lors de l'apprentissage de la musique Blue Teeth and Tears, et donc l'album Wings, Jimin a raconté dans une émission Please Take Care of My Refrigerator se trouver trop potelé pour un concept sexy. Il a donc effectué un régime où il a perdu plus de 10 kilos en ne mangeant qu'un repas par jour, faisant du sport intensif pendant 10 jours. Je tiens à le dire pour les jeunes ou les personnes sensibles qui regardent ma vidéo, ne faites pas ça. Déjà parce que cela abîme votre corps et en plus peut vous faire développer des troubles du comportement alimentaire. C'est pas le but. Je vous conseille la vidéo sur les régimes de Very French Rip pour comprendre. Apparemment, dans l'émission, Jin lui aurait déjà prévenu plusieurs fois d'arrêter de faire cela. Sinon, il risquait de se blesser, mais Jimin répondait toujours « Je prends soin de moi ». Jimin a avoué aussi qu'il était très sensible lorsqu'il suivait un régime et qu'il répondait souvent avec méchanceté aux membres. Sans le vouloir, hein, simplement parce qu'il n'avait pas la nourriture dont il avait besoin pour avoir de la force et de l'énergie. C'est bien plus tard, quand il verra Jungkook suivre un régime drastique à son tour, que celui-ci arrêtera de faire le yo-yo avec son alimentation. Il semblerait qu'il s'est rendu compte que perdre du poids en peu de temps était mauvais pour sa santé. C'est une histoire plutôt populaire, mais très délicate à aborder dans cette vidéo selon moi, puisqu'on n'a pas la même culture, pas les mêmes régimes et pas la même vision du corps. J'espère, et je pense que vous tous aussi, que depuis il se sent mieux avec lui-même et qu'il fait attention à son alimentation. JTBC vs Big Hit. Parmi toutes les histoires autour des problèmes de l'agence, saviez-vous que JTBC a créé une rumeur en 2019 comme quoi BTS avait porté plainte contre sa propre agence ? Cette histoire est un peu floue et bizarre, puisque j'ai l'impression qu'on en a peu entendu parler, en France en tout cas.
JTBC Newsroom a annoncé en fin 2019 que BTS avait intenté une action en justice contre Big Hit Entertainment après avoir contesté la division des bénéfices entre le groupe et l'agence. Évidemment, cela a posé plusieurs questions légitimes de se poser en tant que fan. Est-ce que les membres de BTS sont réellement suffisamment payés? Est-ce que l'agence se joue du groupe? Et cela a créé une petite panique parmi les fans. Big Hit a immédiatement nié les allégations et a d'ailleurs suivi avec une réponse plus approfondie aux rumeurs. Selon Big Hit, le groupe et leurs parents sont au courant et ont accepté la division des bénéfices. Après avoir lu les rapports, nous avons procédé à la confirmation avec les membres de BTS et leurs parents. Il a été révélé que les parents ont visité un cabinet d'avocats situé à Gangbuk il y a 2 mois pour poser des questions concernant leur contrat d'exclusivité. Leur visite n'a pas eu lieu plus loin et le cabinet d'avocats ne leur a pas non plus donné des conseils juridiques officiels. En gros, oui, les parents sont allés voir un cabinet d'avocats, mais pas forcément pour porter plainte, plus pour poser des questions sur ce qui est légal ou pas. Suite à une grande déclaration, Big Hit Entertainment a souligné que les reporters de JTBC ont beaucoup de failles et ont aggravé la situation. Ils ont révélé que JTBC a fait irruption dans les sections restreintes de leur bâtiment d'agence et avait pris des photos non autorisées à utiliser dans leur reportage. Simplement pour avoir un scoop, même pas vrai. Bon, c'est plutôt une bonne fin à cette histoire, mais c'est vrai qu'on est en droit de se poser des questions. Pour avoir eu vent de cette affaire, il s'est sûrement réellement passé quelque chose entre BTS et Big Hit pour avoir... Oh, ça a bugué là. On est déjà rentré en dessous de l'iceberg et je pense que vous en êtes rendu compte, mais plus on plonge et plus les sujets sont délicats. On va tout de même continuer à creuser et plonger pour doucement atterrir dans les abysses de cet iceberg. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr de continuer cette vidéo ? Mélanie Joy Fontana. Mélanie Joy Fontana, c'est une chanteuse et compositrice chez Universal Music principalement. Elle a notamment coécrit aux côtés de 4 autres personnes la chanson Sweet Night de V, mais c'est aussi elle qui a aidé pour Cry to Me de Twice, Helicopter de CLC, Tonight de Black Swan ou encore Bonbon Chocolat de Everglow. Et ouais, elle a un talent indéniable en la musique, mais surtout un ego surdimensionné qui lui a poussé à dire sur Instagram qu'elle était responsable de la popularité de BTS et que c'est uniquement grâce à elle si la musique Sweet Night a marché sur iTunes. Suite à cette prise de parole, évidemment que certaines armées l'ont mal pris, puisque oui, elle est une personne importante pour la composition, mais c'est pas elle qui a fait la popularité d'une musique. Et malheureusement, en fouillant un peu, les armées sont retombées sur des vieux tweets assez problématiques de sa part en parlant du groupe. Selon elle, Boy With Love est un succès grâce et seulement grâce à son talent. Elle a aussi été prise en train de vendre des photos de elle avec les BTS dessus parce que apparemment ce serait quelque chose que tout le monde voudrait. Elle raconte qu'elle a écrit tous les morceaux de BTS, ce qui est totalement faux. Bref, un ego bien gros qui a perturbé pas mal d'armées qui la soupçonnent de profiter du groupe pour buzzer. À l'heure d'aujourd'hui, elle continue les compositions principalement pour TXT et Enhypen, mais certains sont encore fâchés de ses réactions. Ashigazit, je suis désolée si je le prononce mal, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, c'est un peu comme Melanie Joy juste avant. Hyper sympa et un bon gars, notamment connu pour être un producteur musical américain, mais a vite retourné sa veste pour dire qu'il est à l'origine du succès de BTS. C'est grâce à lui tout seul que la musique DNA apparaît sur des stations de radio, ou encore il s'est servi des ARMY pour les pousser à écouter ses autres sons. C'est pas incroyable, et puis il faut savoir qu'il ne travaille plus avec BTS depuis 2018. J'ai pas grand chose à rajouter, contrairement à Melanie Joy, on n'en parle pas beaucoup, et j'ai plutôt l'impression que c'est de la maladresse, puisque celui-ci a tout de suite supprimé ses tweets depuis. Pirate de Bangtan TV. En janvier 2019, les ARMY ont remarqué un changement étrange sur leur chaîne YouTube nommée Bangtan TV. On a remarqué que le nom de la chaîne ainsi que leur badge de vérification avaient complètement disparu. Le plus bizarre, c'est la description de la chaîne qui avait changé pour une publicité pour Idolish 7 Vibrato. Idolish 7 Vibrato est un animé d'idol, mais qui n'est pas du tout lié à BTS. Les fans ont exprimé leurs soupçons et beaucoup pensent que ces soi-disant changements ont été faits afin d'attirer l'attention des fans de K-pop sur l'animé. Malgré tout, si c'est un piratage informatique venant d'un inconnu, Big Hit ne semblait pas dérangé par le problème et n'a jamais fait d'annonce ou de publication sur le sujet. Comme si cela n'était pas un problème, mais simplement une pub mal placée. À cette période, certains fans pensent aussi qu'il y a une connexion à la sortie du jeu BTS World en juin 2019, mais on n'a jamais eu réellement d'explication pour cela.
D'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse. Je viens d'apprendre que BTS World et BTS Universe sont des jeux qui vont finir par être supprimés. Du coup, comme j'en parle beaucoup dans la partie 1 et la partie 2, mais aussi dans cette partie, je comprendrai que beaucoup ne comprennent pas forcément l'engouement de ces jeux. Je vais pas mentir, j'ai un peu le seum qu'ils aient supprimé ces jeux vidéo, déjà parce que bah ça gâche un peu l'iceberg, mais aussi parce que je n'ai pas fini BTS World par exemple. Pour en revenir sur le piratage de Bangtan TV, vous pouvez toujours trouver l'anime qui est sorti fin 2018, début 2019, et pourquoi pas me faire un compte-rendu en commentaire de cet anime qui a l'air plutôt pas mal. Jungkook et le garçon de Melasse. Une petite théorie venant de BTS qui, selon les fans, dirait que la chanson Fake Love ferait un lien avec ce livre de Ursula K. Le Guin. Dans l'histoire de ce livre, un enfant est enfermé dans le sous-sol d'Omelas. Une personne doit sacrifier son propre bonheur pour le bonheur de la ville entière. Les fans croient que dans l'histoire de Fake Love, Jungkook doit sacrifier son propre bonheur pour le bonheur des membres. Sinon, ils continueront leur cycle de souffrance sans fin. C'est un peu relié à l'histoire du pacte avec Suga et Jungkook et à l'éternelle théorie du webtoon et du BTS Universe. Et comme nous l'avons vu dans la partie 1, nous savons l'amour de BTS pour les livres, donc ce ne serait pas si choquant que ça. La Kiss Saseng. La Kiss Saseng, c'est une femme fan du groupe et particulièrement de Suga. Elle est notamment devenue virale suite à une vidéo où on peut la voir forcer un baiser à Suga en se jetant sur lui après une fin d'émission. Suga l'a repoussé violemment et les fans lui criaient de le laisser tranquille. Heureusement, un membre du personnel est intervenu. Il a séparé Suga et la Saseng le plus rapidement possible. Ce qui a perturbé les fans, c'est la violence dont l'action est arrivée. Et surtout que Suga est plutôt connu pour être assez anxieux autour de la foule. Tu combines une folle qui t'attaque, tout le monde qui lui crie dessus, le personnel qui se débat, cela peut être très perturbant et vraiment mauvais. Après cette histoire, on n'a plus entendu parler d'elle, et Dieu merci. Shit Man Bang. Est-ce que vous connaissez cette vidéo? Hey yo, Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. Cette vidéo est une audition de Bang Chin-hyuk, le créateur de BTS, mais aussi l'ancien PDG de leur agence. Elle date de juillet 2011 et est devenue virale parmi les fans de K-pop. Tellement virale que quelqu'un a décidé de faire une musique basée sur cette vidéo. Hey yo, Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. Cette musique se nomme Shit Man Bang et a pour but d'être une audition en ligne. Elle a atteint pendant une période les 100 000 vues sur The Dome, mais elle a vite été supprimée par la suite, puis remise en ligne sur Naver. Ce qui est encore plus drôle, c'est que Bang Pedenim lui a répondu à l'époque en 2011 sur Twitter, lui demandant de passer une audition pour de vrai chez Big Hit. BTS n'existait pas encore à cette période, et donc il y a sûrement un monde parallèle où ce gars aurait pu faire partie de BTS. Alors sur Twitter, celui-ci semblait se nommer The Be Ready, mais depuis peu j'ai vérifié et je n'ai pas retrouvé son nom, son pseudo et ce qu'il devient. C'est vraiment un génie incompris dans l'ombre qui a réalisé un des plus gros trolls qui aurait pu mener à un de ses plus grands succès. Saseng à l'aéroport d'Indonésie. On a déjà parlé des fans Saseng en Suède, en France, mais là on va parler de l'Indonésie. Et si c'est l'une des histoires de Saseng les plus basses dans l'iceberg, c'est bien parce que l'histoire a vraiment choqué les BTS. Alors que parfois, on pourrait croire que les bousculades et les problèmes puissent arriver dans un aéroport rempli de personnes, là c'était complètement intentionnel venant des fans. En 2015, quand le groupe est arrivé en Indonésie, les fans étaient plutôt sages au début, mais aucune barrière de sécurité était faite, ce qui a poussé les fans à devenir violentes au fur et à mesure. Certaines ont commencé à attraper le t-shirt de Jungkook, qui a fini par se déchirer. Et même s'il semblait gêné, les fans ont continué de le toucher, de crier et de le bousculer sans prendre en compte le malaise de celui-ci. Alors c'est loin d'être aussi lourd que la Suède, mais ça reste incroyablement irrespectueux tout de même. Outro Tears. La chanson Tears est bien plus symbolique qu'on ne le pense, puisqu'elle ne parle pas d'une simple rupture amoureuse, mais de leur disband prévu. Dans le documentaire Break the Silence, Suga raconte qu'il a écrit cette musique à la base pour parler de BTS. «
Elle n'a pas fait pleurer les membres pour rien, puisque celle-ci parle clairement d'une rupture. Pas d'une rupture amoureuse, comme beaucoup pourraient l'imaginer, mais de leur disband, qui a été prévu bien plus tôt à l'époque. Alors comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, certains pensent que BTS aurait dû disband depuis un petit moment, mais qu'ils ont été forcés à rester en tant que groupe ensemble pour plusieurs raisons différentes. Cette musique serait une preuve de plus à cette théorie qui perturbe pas mal de fans qui ont l'impression que le groupe bloque les membres à ne pas s'épanouir et à réaliser leurs rêves les plus profonds. Mais pour d'autres, il s'agit simplement d'un message touchant pour le simple fait de parler de disband. Aib et les Saseng. Autre théorie assez complexe que j'ai racontée dans mon iceberg des rumeurs dans la K-pop et que j'ai envie de remettre au goût du jour. Je précise qu'il s'agit de théories ou de rumeurs puisque ce sont des on-dit sans preuve, mais certains pensent que HYBE aurait vendu des informations privées aux Saseng pour gagner des prix. Pour certains, si les BTS n'ont pas fait de Sajeki pour I Need You, l'agence a profité des Saseng pour leur vendre des informations et gagner de l'argent ainsi que des prix en retour. Ce ne serait pas si choquant que cela, puisque beaucoup d'agences sont réputées pour ça, que des Saseng avouent être aidés du personnel et de l'agence elle-même pour avoir des informations et photos privées. Cependant, ça ne reste que des on-dit, j'ai pas envie de vous faire croire n'importe quoi. Chacun est libre de penser ce qu'il veut sur le sujet, mais pas de ne faire croire que ce sont des réalités. Salle de bain, Omama. Encore une histoire de Saseng qui a perturbé beaucoup de personnes, mais dont j'ai déjà parlé dans ma série « Un jour, une histoire de Saseng ». Le soir des Mnet Asian Music Awards en 2016, un fan a réussi à se faufiler dans les toilettes des hommes pour prendre une photo de Jungkook alors qu'il se lavait les mains. Pendant les mamas, deux fanboys sont tombés sur Jungkook, comme par hasard, dans les toilettes. En regardant la photo, on remarque que Jungkook semble comprendre que les deux prenaient une photo et leur avait dit de ne pas en prendre car c'est interdit. Ignorant les mots de Jungkook, la personne a décidé de publier la photo sur son Snapchat. De nombreux fans étaient irrités par le fait qu'ils avaient envahi la vie privée de Jungkook, mais aussi parce qu'on leur avait dit de ne pas prendre de photos et qu'ils le faisaient quand même sans même se poser de questions. Et c'est totalement normal d'être irrité, on ne devrait pas prendre des photos de quelqu'un dans des toilettes sans le consentement. BTS triche. Run BTS est une émission qui a débuté en août 2015 et qui s'est arrêtée en 2021, même si apparemment ce ne serait pas la fin de cette émission. Chaque épisode de Run BTS met en vedette les membres du groupe prenant en charge des activités généralement sous la forme de jeux, de missions ou de défis, avec la promesse d'un ou de plusieurs prix s'ils réussissent ou des punitions s'ils échouent. Cependant, même si c'est censé être plusieurs jeux amusants, beaucoup d'ARMY ont remarqué que les BTS semblaient tricher dans certains épisodes. Alors parfois c'est totalement fait consciemment et les fans le remarquent très bien, comme dans l'épisode 112 et Jungkook qui change subitement de pancarte, ou encore Jin lors de l'épisode 139 au ping-pong contre J-Hope qui a quand même perdu. Mais parfois on a l'impression que pour avoir une certaine équité dans les gagnants, les membres trichent sans le montrer clairement à la caméra et avec un scénario bien ficelé. Par exemple, lors du célèbre Carbonara de Jin et Jimin, si celui-ci a trouvé comme par hasard, bah c'est parce que les membres lui montrent la pancarte. Ou encore lors du BTS Gayo épisode 5, Vi qui fait la feuille et Suga qui lui dit de faire la pierre pour battre J-Hope. Et j'en ai cité que deux, mais croyez-moi que cela arrive beaucoup plus qu'on ne le pense dans les émissions de BTS, et beaucoup d'ARMY ont même fait des compilations. Évidemment, ça reste des jeux et ce sont des petites triches marrantes sans dégâts derrière. Pourtant, à cause de cela, beaucoup ont commencé à se demander si les jeux et les réponses n'étaient pas scriptés par la suite. Certains ont même commencé à dire que leurs rires, leurs blagues et même leurs émissions étaient peut-être scriptées, un peu comme une télé-réalité. Alors chacun est libre de penser ce qu'il souhaite suite à ces révélations, mais rappelons qu'être idol reste un métier avant tout. C'est sûrement déjà arrivé qu'ils jouent un rôle pour une vidéo. Pour autant, cela ne fait pas d'eux des personnes fake, c'est simplement leur rôle de faire des émissions et d'amuser la galerie. C'est leur métier, et leur en vouloir pour ça, bah ce serait vraiment débile. TGM Event. En 2015, BTS a tenu une rapide tournée nord-américaine avec 5 villes aux côtés de l'organisation TGM Event, et l'organisation était catastrophique. Par exemple, un fanzine de 1h05 était prévu pour le groupe pour un total de 170€ en plus du concert. Malheureusement, l'organisation a fait qu'au bout de 20 minutes, le fanzine a fermé. Les ARMY n'ont même pas eu le temps de faire signer leurs t-shirts payés pour l'occasion. Les organisateurs n'avaient même pas de stylo, c'était aux fans de les fournir sous peine de ne pas en avoir, et les garçons n'avaient même pas le temps de dire bonjour.
Les VIP, qui devaient rentrer avant tout le monde, ont dû attendre dans le froid malgré que ces personnes sont censées être dans la fosse. En plus de ça, c'était une collaboration, donc BTS n'a interprété que 4 chansons, et vont vite être remplacés par d'autres rappeurs. Le problème, c'est que les autres rappeurs ont eu une apparition 2 fois plus longue que BTS. Ensuite, les organisateurs ont arnaqué les fans en disant qu'ils devaient payer 50€ de plus pour avoir un eye touch. Cependant, ça n'est jamais arrivé. Les VIP qui avaient payé pour faire des photos se sont retrouvés à être 25 sur la même photo à la place de 8 promis normalement. Suga a même froncé les sourcils et s'est plaint de cette organisation avec les VIP et le personnel de TGM n'a même pas répondu. En plus de ça, un ARMY a couru dans les bras de V, ce qui l'a évidemment surpris et ce qui n'est pas normal, et la sécurité à ce moment-là n'a rien fait. C'est hyper dangereux. Mais c'est pas fini. Dans un concert, ils ont essayé de vendre 100 places en plus que les fans ont acheté. Mais n'ayant pas la superficie nécessaire, ils ont renvoyé les fans qui avaient payé et attendu 3 heures sous la pluie en leur disant « Les membres de BTS sont déjà partis ». Jimin a été réprimandé par le personnel pour avoir signé trop lentement, V a été disputé pour avoir parlé avec un fan, et Jungkook avait un visage énervé puisqu'il a vu à plusieurs reprises un membre du personnel se mettre en colère et pousser des fans. Ouais, vraiment une organisation pourrite. TGM s'est bien excusé sur Facebook avec 3 pages d'écriture pour exprimer leurs problèmes, mais n'ont jamais remboursé les fans et c'est resté simplement une expérience désastreuse. Sachez qu'encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup de petites sociétés qui s'amusent à arnaquer les groupes de K-pop de cette manière, et surtout les petits groupes de K-pop qui ne peuvent pas se permettre de rétorquer. La mort de Iron. Iron, j'en ai parlé dans tous mes icebergs sur la K-pop jusque-là, et pour cause, cette histoire me perturbe beaucoup. Iron était un homme qui a failli faire partie de BTS puisqu'il était membre du groupe pendant leur pré-début. Celui-ci est parti par la suite pour les mêmes raisons que la plupart des autres. Il ne voulait pas faire partie d'un groupe de K-pop, mais bien de rap. D'ailleurs, à l'époque, il a même exprimé le fait que BTS, selon lui, n'aurait jamais réellement réussi. Dommage pour lui, ses prédictions ne sont vraiment pas bonnes. Suite à ça, il était le finaliste de Show Me The Money 3 de Mnet en 2014, et a été plutôt bien repéré à cette période jusqu'à ce qu'on apprenne plusieurs scandales autour de lui. Il a déjà été condamné pour consommation de marijuana, puis à 8 mois de prison avec sursis pour avoir battu son ex-petite amie en 2018, et il avait fait parler de lui en fin 2020 suite à son arrestation pour avoir battu son colocataire mineur avec une batte de baseball. Ouais, c'est pas vraiment une très bonne personne et beaucoup ne regrettent en rien sa mort annoncée le 25 janvier 2021. Pourtant, elle est tout aussi incroyable puisqu'il a été rapporté que Iron a été retrouvé saignant et inconscient sur le parterre de fleurs d'un complexe d'appartements dans le district de Jang à Seoul. La police de Jeonbu a confirmé dans un appel avec dispatch. Nous avons été appelés par un garde qui nous a dit avoir découvert Iron. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital mais il est décédé. À ce stade, on ne sait pas si Iron est mort par suicide ou non. Nous enquêtons sur la cause exacte de sa mort. Aucune information n'a été rajoutée et l'affaire a été classée sans suite. Alors comme dit dans mon iceberg des mystères, peut-être que beaucoup s'en fichent. Mais une vie reste une vie selon moi. Et ne pas avoir d'infos sur les circonstances de sa mort mystérieuse me fait penser qu'il y a quelque chose de glauque derrière. Ah, vous êtes resté jusqu'au bout? C'est une curiosité un petit peu malsaine, non? Je vois. Tu veux voir jusqu'où on peut aller? On va plonger dans les abysses, le dernier et terrible palier. J'espère que t'es prêt à aller toujours plus loin et que ta curiosité ne te fera pas regretter. Jimin, dating prank. Vous vous souvenez quand j'ai parlé dans la première partie des poissons d'avril des membres? Eh bien il y a un poisson d'avril que je n'ai pas raconté qui a plutôt mal tourné venant de Jimin. Celui-ci a publié sur le compte officiel de BTS en 2018 une page d'home avec comme barre de recherche Bangtan Jin et des recherches associées comme Jing des Bangtan reconnaît sa relation, relation secrète, naissance d'un couple top star, l'autre significatif de Jin des BTS, date paparazzi, mariage. Et surtout, en dessous, il y a 3 posts. Exclusif Jin des Bangtan, cœur RM des Bangtan datant de 1 an, un couple de stars aînés. L'histoire d'amour entre la star Jin des BTS et la IU star RM de BTS a été confirmée. Les deux se fréquentent depuis 1 an. Réponse officielle, Bangtan Jin, cœur, Bangtan RM, relation confirmée. Pas une aventure, une vraie romance, le 1er avril a officiellement confirmé la relation entre Jin et RM des BTS.
Après que les deux ont annoncé la nouvelle, beaucoup les ont félicités. BTS Jin, cœur, BTS RM. Une grande attention est portée aux prédictions des internautes sur l'histoire d'amour de Jin et RM. Ouais, c'est très drôle comme blague, surtout quand on sait qu'il s'agit d'un des chips les plus appréciés parmi les fans à cette période. Cependant, est-ce que vous saviez que suite à ce post, RM et Jin ont eu des gros soucis, puisque plusieurs fans coréennes ont cru les articles, et surtout certaines, pour rentrer dans le jeu, ont longtemps fait croire, sous base de trolls, que c'était la vérité. Alors encore une fois, rien de bien méchant, puisqu'on sait que c'est faux, mais Jimin a supprimé les posts au bout de quelques heures, et les ARMY ont bien compris que l'ampleur de cette rumeur a pris des proportions que Jimin ne voulait pas malheureusement. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que les BTS ont arrêté de faire des poissons d'avril sur Twitter. Coïncidence ou pure spéculation, je ne sais pas, à vous de me dire. Concert de Kobe. Avez-vous déjà entendu parler du concert du 27 décembre 2015 à Kobe ? Ce concert a perturbé beaucoup d'ARMY à l'époque, pour plusieurs raisons qui sont à l'heure d'aujourd'hui peut-être explicables. Ils ont mis beaucoup de temps avant d'arriver sur scène, quelque chose de plutôt rare venant de BTS, surtout en 2015. Les ARMY ont notifié que c'était même l'une des premières fois. Mais c'est pas fini, puisqu'une fois arrivés, ils se sont retrouvés avec seulement 5 membres sur 7. Le traducteur japonais a informé les ARMY que le concert serait suspendu. Les lumières se sont éteintes et les membres restants ont commencé à interpréter Hold Me Tight, l'une des seules chansons que V a aidé à écrire. Les membres ont à peine bougé sur la scène, le public et leur interprète étaient terrifiés, et après la fin de Hold Me Tight, Let Me Know a commencé à jouer, l'une des premières chansons produites par Suga. Ils ont interprété la chanson aussi tristement qu'ils l'avaient fait, et par la suite Namjoon s'est adressé aux ARMY, leur disant que V et Suga ne se sentaient pas bien pendant l'entraînement, et ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Ouais, c'est chaud. Heureusement, les fans ont été remboursés par la suite. Mais du coup, qu'avaient V et Suga pour être partis ? Alors selon beaucoup, V était en effet malade, il s'était poussé trop fort et avait commencé à s'évanouir pendant les entraînements du concert. Et pour ce qui est de Suga, c'est plus complexe. Celui-ci a pris le temps de faire une longue lettre d'excuses suite à ce concert, ce qui a surpris d'ailleurs pas mal de fans. Et dans cette lettre, il s'excuse profondément de ne pas avoir pu être au concert. Il parle de son amour pour les fans, les concerts, etc. Et c'était censé se conclure sur « il était malade ». Les ARMY japonaises ont bien remarqué que ce n'était pas la vraie raison puisque l'aura de ce concert semblait triste et vide. On comprendra un an plus tard dans la mixtape de Suga en 2016 avec la chanson « The Last ». Cette chanson fera en effet référence à l'incident de Kobe. Il dira même dans la musique qu'il s'était enfermé dans la salle de bain à clé, ne voulant plus bouger à cause d'une grosse anxiété. Expensive Girl et Trouble. Parlons de la musique Expensive Girl et Trouble. Ces deux musiques ont un seul point commun, elles sont controversées à cause de leurs paroles beaucoup trop chaudes. Expensive Girl est une chanson de RM adaptée de Take It Off de Pharrell Williams, sortie le 14 février 2013. C'est donc pas une musique officielle de RM et a été particulièrement publiée sur SoundCloud. Problème, celle-ci a dû être supprimée de SoundCloud justement à cause de ses paroles beaucoup trop entreprenantes. Résolution, évidemment que les ARMY ont mis de côté cette musique et l'ont publiée sur YouTube. Elle est d'ailleurs disponible avec les sous-titres, si le cœur vous y donne. Pour Trouble, c'est un peu pareil. C'est une chanson de RM et Jin, adaptée de Trouble, de Major et J-Cole. Alors avant d'avoir des débats dans les commentaires, apparemment, il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas Jin qui chante, mais seulement RM. Et d'autres disent que Jin a au moins fait les gémissements en fond de musique. Donc, dans le doute, pour ne pas le mettre de côté, on va dire qu'ils y sont tous les deux. Mais globalement, c'est plus une chanson seulement de RM. Pour beaucoup, elle est vue comme très cringe et trop sale pour être une musique des deux membres. Finalement, comme Expensive Girl, elle est disponible sur YouTube avec les traductions, et ce seraient des chansons plutôt cachées, que RM n'assumerait sûrement pas à l'heure d'aujourd'hui, selon beaucoup. Bobby Jung. Bobby Jung est notamment un des compositeurs de Filter du solo de Jimin, mais aussi Home, Pluto, I'm Fan, Dream Glow ou encore Love Maze. Des petites pépites en effet, mais ne vous attachez pas à ce fameux Bobby, puisqu'on apprendra durant l'année 2020 que celui-ci a été accusé d'avoir filmé illégalement une agression sexuelle. Malgré cette accusation, Big Hit a eu la bonne idée, enfin bonne idée évidemment c'est ironique, d'écrire son nom en gros dans le dernier album de BTS avec la chanson Filter. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la musique Filter est sortie, nous n'étions pas au courant de ces accusations, donc on ne pouvait rien faire. Cependant, la musique est réapparue dans le dernier album de BTS, et ça a dégoûté beaucoup d'ARMY, puisqu'il s'agit d'un album best-of, et donc HYBE aurait très bien pu remixer pour retirer les parties de Bobby,
ou faire une démo de la chanson et retirer son nom. Mais non, ils ont fait les autruches, n'ont rien dit et ont supprimé toute trace de cette affaire. Alors encore une fois, BTS n'y sont pour rien dans cette histoire. Le problème vient clairement de l'agence qui n'a même pas fait de commentaire sur le sujet et l'a totalement ignoré. En décembre 2022, Bobby sera officiellement accusé d'être responsable du suicide d'une jeune femme qu'il a enfermée, séquestrée, violée et filmée à plusieurs reprises. Vous voulez savoir la meilleure ? Comme la femme s'est suicidée, ils ont classé l'affaire sans suite malgré les preuves. Ouais, et sur l'album numéro 2 de Proof, vous avez donc son nom écrit en gros pour lui rendre hommage, alors qu'ils étaient tous au courant de l'affaire bien avant la sortie. Je sais que beaucoup de mes abonnés n'ont pas été au courant de cette affaire, et quand j'en ai parlé en live sur Instagram, beaucoup étaient choqués, et ça se comprend. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne jamais acheter cet album pour cette raison, mais le boycott n'a pas servi, et cette histoire est restée dans l'ombre. Bird. Avez-vous déjà entendu parler de la musique Bird de BTS ? Ne vous en faites pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est normal. En réalité, il s'agit d'un single japonais de BTS qui n'a jamais vu le jour. Le 7 novembre 2018 est sorti plusieurs singles japonais, dont Fake Love, et un nouveau aurait pu y faire partie, du nom de Bird, mais annulé à cause de son producteur japonais, Yasui Akimoto. Selon Billboard, la cause serait les paroles misogynes passées d'Akimoto, qui ont été soulignées par le président d'université à Tokyo en 2016. Selon le Japan Time, l'une des chansons d'Akimoto contient des paroles très misogynes et mauvaises envers les femmes. Et il a également eu des critiques de ses prétendues opinions politiques concernant l'histoire impérialiste du Japon. Vous savez, le Japon, la Corée, c'est une grande histoire de haine qui se perpétue par rapport aux guerres. Donc le 15 novembre 2018, l'agence ayant compris le potentiel problème qu'ils auraient pu avoir, ont bien agi et ont décidé de retirer la chanson pour la remplacer par Idol. Pourquoi ils ont bien agi pour une fois ? Beaucoup pensent que c'est à cause du scandale du t-shirt de Jimin qui s'est déroulé quelques jours plus tôt. Trop gay pour la Russie. J'aimerais vraiment que ce titre soit un troll, mais non. La Russie a annulé la diffusion du film du concert BTS World Tour Love Yourself parce que trop gay. Le film devait sortir au cinéma dans cette ville, je n'arrive pas à le dire, mais seulement un jour après la mise en vente des billets au Cinéma Hall, le cinéma a annulé l'événement à la suite de plaintes d'une campagne de boycott en ligne qui accusait le groupe de promouvoir un comportement immoral exagéré. Selon le Moscow Times, un groupe local qui s'oppose à un tel comportement a averti que les BTS étaient des homosexuels coréens. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, à part que c'est complètement débile d'inventer une sexualité à des personnes qui n'ont rien demandé, surtout que le film ne montrait qu'un simple concert. La mort de V et Jungkook. Connaissez-vous le drama coréen Tomorrow ? Rassurez-vous, pas besoin de le connaître pour comprendre cette histoire. Dans le dernier épisode de l'émission, on peut retrouver les vrais noms et dates de naissance de Jungkook et V sur la liste des décès par homicide. Ce n'est pas juste leur prénom, mais aussi leur nom de famille et leur date de naissance. Donc impossible que ce ne soit pas voulu. BTS et HYBE semblent n'avoir jamais agi pour cette histoire, et donc on peut dire que ouais, le drama Tomorrow a tué Jungkook et V. How to kill BTS. Il existe une vidéo YouTube nommée How to kill BTS. Littéralement, comment tuer les BTS. Cette vidéo est apparue dans plusieurs feeds d'Army et c'est flippant en effet. Mais rassurez-vous, en réalité, il s'agit d'une astuce pour le jeu Death Standing pour tuer les BT. Le S est en réalité écrit en petit, mais sur la miniature, le minuscule n'apparaît pas. Et c'est pourquoi beaucoup d'Army sont tombés dessus en ayant peur, alors qu'il s'agissait juste d'un tuto pour un jeu vidéo. D'ailleurs, je vous propose de faire un tour dans les commentaires récents de cette vidéo, puisqu'il y a pas mal de blagues, mais aussi beaucoup de personnes qui l'ont pris au premier degré sans même prendre le temps de comprendre ou de regarder la vidéo. Battleground de Suga. En février 2019, Suga a dévoilé une photo sur Twitter, un projet sur lequel il travaillait sur un programme de montage audio. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir l'un des morceaux s'intituler Battleground. Les fans ont ensuite rapidement spéculé que la chanson pourrait être liée à la piste de BTS pour leur retour en avril 2019, ce qui s'est avéré totalement faux quand ils ont sorti Boy With Love à la place. Les ARMY ont ensuite pensé qu'il aurait pu être utilisé pour son propre retour solo, mais aucune chanson a le nom Battleground jusqu'à maintenant.
Alors, soit il s'agit d'une musique déjà sortie, comme Shadow, ayant juste changé le nom pour pas nous spoiler, soit elle n'est encore jamais sortie, et le mystère reste entier. JK Killer. Bon, on va s'attaquer à du lourd. Est-ce que vous avez déjà aperçu cette image ? Le JK Killer. Il est très fort probable que oui, vous l'aviez déjà vu sans même savoir l'origine de cette histoire. JK Killer est un alternatif universe, créé entièrement sur Twitter par une armée du nom de Jungkook. Un alternatif universe, c'est une histoire qui n'est pas ancrée dans le lore de BTS, mais que les fans ont inventée sous forme d'interaction. Je m'explique. Dans cette histoire, Jungkook est un tueur en série nommé JK Killer avec un masque de son ancienne peluche. Il est totalement contrôlé par un maître qui n'est autre que V. Leur relation est assez spéciale puisque V a recueilli Jungkook gamin et celui-ci est entre l'admiration profonde et l'amour de son bourreau. Pour protéger V, il tuera de nombreuses personnes et c'est nous qui prendrons les décisions pour faire avancer l'histoire. Ce récit, sans même le connaître, a plu à beaucoup de personnes qui ont commencé à faire un nombre incalculable de fanarts. Malheureusement, d'après mes recherches, cette histoire n'a jamais vraiment été terminée, ni même réellement commencée. Les fans se sont tous appropriés un bout de l'histoire, et donc vous pouvez tomber sur énormément d'histoires différentes sur ce fameux tueur en série, JK Killer. Dora, Alternative Universe. Suite à l'incroyable succès du JK Killer, évidemment que beaucoup ont voulu créer d'autres Alternative Universe. Et le plus bizarre que j'ai pu trouver, c'est sûrement celui-là. Dora l'exploratrice et les BTS. Je pensais que jamais j'aurais pu trouver une interaction entre les deux, mais si, ça existe bel et bien. L'histoire vient en réalité d'une réponse de V disponible sur Webers en juillet 2020. Quand un fan lui a demandé s'il regardait Dora, celui-ci a répondu « Dora l'exploratrice est un spectacle avec des questions rhétoriques. On choisit les réponses, puis elle fait ce qu'elle veut de toute façon. » Cela a fait énormément rire les fans, mais a surtout fait naître une histoire de haine entre Dora et V. Évidemment qu'une histoire alternative d'horreur a été créée avec des glitches, des meurtres, et si vous voulez, je vous laisse en description un lien Wattpad pour lire cette histoire qui est un mélange entre un chef-d'œuvre et d'une grande incompréhension pour ma part. La fancam de Yoongi. Le 20 octobre 2016, les BTS ont réalisé une performance de Blood, Sweat & Tears. Suite à cette apparition, comme d'habitude, les fancams de chaque membre sont sortis. Pour ceux qui ne savent pas, une fancam, c'est une performance filmée où nous suivons entièrement un membre pendant qu'il danse. Et la fancam qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle de Suga. En effet, pour cette performance, il portait un vêtement rose qui pouvait laisser entrevoir son engin. Tu rajoutes les paroles et la danse légèrement sexy, et beaucoup ont commencé à sursexualiser Suga sans son consentement. On ne parle pas d'un simple commentaire, mais d'une centaine dénigrant et provoquant Suga sans qu'il ne puisse rien faire. Alors heureusement, la vidéo originale à l'heure actuelle est plutôt bien protégée, car les fans ont réussi à mettre en avant que sexualiser à ce point quelqu'un n'est pas normal, homme ou femme, c'est la même chose. Et cette fancam n'est plus mise en avant que ce qu'elle a été pendant une période. Pongpedenim, Sugar Daddy. Bon, pour celui-là, vous vous doutez que c'est un peu délicat. En réalité, il s'agit d'une rumeur de couple sortie en 2018. Pongpedenim, qui était à cette période âgé de 46 ans, a voyagé au Vietnam. Sauf que plusieurs fans ont remarqué qu'il était aux côtés d'une jolie femme. Évidemment que certains sur internet ont fait des recherches, et en fouillant, certains ont retrouvé le nom de So-hee, née en 1997. Oui oui, la même année que Jungkook, donc à cette période, elle avait seulement 21 ans. Selon les internautes, So-hee a posté une photo du voyage sur Instagram et elle portait exactement la même tenue que celle vue sur la photo présumée de Bang Chin-hyuk. Ils ont 25 ans de différence. Alors ils font ce qu'ils veulent, les deux sont sûrement consentants et rien ne dit qu'il ne s'agit pas de sa petite amie, mais plus peut-être d'une nièce ou de quelqu'un de la famille. Et sans ça, je pense que c'est sa vie privée et que ça nous ne regarde même pas. Je vous laisse juste un commentaire qui m'a fait un peu rire suite à cette rumeur. Il est devenu papa de Suga à Sugar Daddy. BTS Outcast. En 2018, un autre Alternative Universe a été créé et a fait un buzz monumental sur Twitter, et c'est BTS Outcast. Un peu comme JK Killer, il s'agit d'une fanfic d'horreur simplement basée sur des SMS créés par ce compte. Cette histoire est devenue virale et a été tendance dans le monde entier pendant de nombreux jours. Le but est simple, on avait accès à la messagerie de Suga. Celui-ci trouve un jeu en ligne et dit à J-Hope de le télécharger pour qu'ils puissent y jouer ensemble. Mais quelque chose ne va pas. Suga commence à recevoir des messages du jeu lui donnant des choix.
En réalité, J-Hope et les autres membres sont enfermés dans ce jeu et Suga devra les sauver. Quand il envoie des textos, le choix qu'il veut faire à son personnage à l'écran fait ce qu'il dit. Plus Suga joue au jeu, plus il découvre de nombreux secrets. Et nous, on devait faire le choix avec Suga pour ne tuer aucun des autres membres et aussi découvrir qui a créé ce jeu bizarre. Incroyable, hein ? Je ne vais pas vous spoiler parce que je pense que beaucoup seraient grave intéressés par cette histoire qui est assez ouf. À la place, je vous propose en description la traduction française de l'histoire par Sayuki Desu sur Wattpad et je vous propose de découvrir ce chef-d'œuvre. Wow, vous en rendez compte, vous êtes bientôt arrivé à la fin de la vie. Mais la suite qui arrive est peut-être bien trop difficile pour vous. Âme sensible, s'abstenir et je ne vous préviens pas pour rien. Bienvenue dans la dernière partie de l'iceberg des BTS. BTS, règle 34. La règle 34 sur internet est un mème et une catégorie érotique, voire pornographique, suggérant que sur n'importe quel sujet, il existe un équivalent pornographique. Dessins animés, jeux vidéo, moteurs de recherche, bref, avec cette règle 34, tout a un équivalent sale. La phrase exacte qui décrit cette règle, c'est « si ça existe, il y a du porno à ce sujet ». Et évidemment que BTS en a énormément et que je ne pourrais pas vous montrer ne serait-ce qu'un quart de ce que j'ai vu. Déjà parce que beaucoup de jeunes me regardent et qu'ils ne partent pas malgré mes avertissements, mais aussi parce que je pense que tout le monde n'a pas vraiment envie de voir des plans de fesses entre les membres de façon explicite. Sachez juste que ça existe. Message inquiétant. En avril 2019, une Saseng pensant avoir le numéro de téléphone de Jimin, mais qui en réalité parlait à un parfait inconnu, a harcelé de messages cette pauvre personne qui n'a rien demandé. Les messages se résument à de nombreuses expressions d'amour ainsi que des demandes sincères d'être en couple demandant à Jimin d'y répondre. Certains messages sont assez légers, mais bon, d'autres ont presque exigé qu'il y réponde sous peine de mourir s'il ne le faisait pas. Ouais, on parle de menaces de mort à un inconnu qui n'a rien compris. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que tous les messages qui ont été partagés dans la publication ont tous été reçus en une seule journée. Imaginez-vous juste que c'est sûrement le quotidien de chaque idol de recevoir de la part de fans excessifs ce grand nombre de messages qui n'ont pas de sens. Saseng Airplane. Cette vidéo a sûrement fait le tour de beaucoup d'armies. En effet, apparemment, alors que Jimin venait à peine de partir des toilettes d'un avion, cette Saseng serait venue pour lécher les toilettes avec plaisir pour goûter chaque partie de Jimin. La légende de la vidéo est « lécher le siège des toilettes après que Jimin en soit sorti ». Urk, rien qu'à dire, c'est dégoûtant. Mais sachez qu'en réalité, cette rumeur est totalement fake et inventée par une armée qui voulait faire le buzz. Cette vidéo a en réalité été téléchargée 5 mois auparavant sur YouTube par Girl Doing This in Airplane. En effet, c'est son kiff à cette fille de lécher les toilettes, mais en aucun cas particulièrement celle de Jimin des BTS. Même si je pense que certaines en seraient capables, sachez-le, c'est totalement faux. BTS ASMR plus 18. Un peu comme la règle 34, il existe sur YouTube des vidéos ASMR avec des gémissements des membres de BTS. En réalité, les fans prennent des moments de live qu'ils découpent pour faire des bruits de bouche, mais aussi alliés avec des vidéos porn dont ils modifient légèrement la voix. Alors BTS ne sont pas les seuls à recevoir ce genre de traitement, et YouTube n'a jamais rien fait contre ça. C'est quand même un peu drôle que certaines de mes vidéos soient démonétisées pour de simples mots, alors qu'on peut littéralement avoir le droit à des audios de fesses rapidement disponibles sur la plateforme. L'accident de voiture. Le 9 décembre 2018, après l'un de leurs concerts à Taïwan dans le cadre de leur tournée Love Yourself, les membres ont été impliqués dans un accident de voiture. Aucun membre n'a été blessé, mais beaucoup pensent que ça a été causé par des Saseng qui suivaient leur voiture. Il faut savoir qu'un taxi Saseng, ça existe. C'est un métier plutôt réputé en Corée, mais qui se démocratise dans d'autres pays, particulièrement en Asie. Le but est simple, suivre les idoles partout contre une somme très généreuse de la part des Saseng. En une journée, il est possible de se faire un SMIC avec ce métier. Donc ouais, normal que beaucoup acceptent de suivre le groupe sans se poser de questions. Des témoins de l'accident ont rapporté avoir vu 4 ou 5 taxis spécifiques utilisés pour suivre les BTS et se heurter aux voitures dans lesquelles se trouvaient les membres. Les BTS et leurs accompagnateurs utilisaient 7 véhicules différents pour être ramenés à l'hôtel, et ces témoins disent qu'au moins 3 d'entre eux ont été touchés dans la collision. Bien que les témoins sachent que certains des membres ont été impliqués dans la collision, personne n'a jamais su quel membre se trouvait dans quel véhicule touché puisque les vitres étaient teintées. Bon, il s'agissait d'une petite collision et d'un petit accident, pas assez brut pour blesser les membres, mais quand même.
jusqu'où vont-elles aller pour voir leurs idoles de plus près? La vidéo de vie. Oui, il existe sur internet une vidéo deepfake de vie des BTS. Alors attention, deepfake, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle. Elle peut servir à superposer des fichiers vidéo ou audio existants sur d'autres fichiers vidéo. Grâce à cette technique, il est ultra facile de changer le visage de certains acteurs X pour mettre n'importe laquelle, et en l'occurrence, V, à une vidéo gay de lui qui se prend l'épée de son coéquipier dans ses fesses. J'ai pas regardé la vidéo, je suis tombée sur la miniature d'une façon si simple que cela m'a déconcertée. Comment est-ce possible que cette recherche soit si accessible et si rapide en ne notant que 2-3 mots-clés? V n'est pas la seule idole à souffrir de ce genre de fausses vidéos. D'ailleurs, les idoles féminines sont souvent les plus touchées et les plus simples à retrouver. Et moi, ça me fait flipper, parce qu'on a beau être sur internet, ce genre de choses ne devrait pas exister, surtout sans le consentement de l'idole en question. Gunsred. Évidemment, quand on est l'un des plus grands groupes de l'univers, beaucoup jalousent ta popularité et veulent te faire du mal. C'est donc arrivé très souvent que les BTS ont reçu des menaces de mort avant certains concerts ou arrivés dans certains pays. Je vous conseille ma vidéo Les histoires flippantes d'antifans pour vous donner une ordre d'idée. Ce que j'ai décidé de parler dans cet iceberg, c'est surtout ce qu'on appelle les gunshred. Montrer des pistolets et écrire son fantasme de comment tuer, mais aussi et surtout certains threads dans le but de détruire des idoles qui n'ont absolument rien demandé. C'est assez traumatisant quand on tombe dessus, et d'ailleurs je me souviens de celui-là notamment qui m'a totalement bouleversée, puisque la grand-mère de Vie venait à peine de mourir quand ce tweet est sorti. Masturbation Girl. Je ne sais pas vraiment comment décrire cette histoire. Une jeune armée a tout simplement décidé de se prendre en vidéo en train de se faire plaisir, prononçant le nom de Suga pendant ses ébats, et l'a envoyé au Twitter officiel du groupe. Beaucoup d'armées sont tombées dessus à cette époque. Je me souviens avoir été l'une des seules de mes potes à ne pas être tombée dessus n'ayant pas Twitter. Je tiens à préciser qu'on a totalement le droit d'avoir des fantasmes avec les membres, c'est humain. Mais te prendre en vidéo, le mettre en public et l'envoyer à quelqu'un qui n'est pas consentant, c'est vraiment, vraiment chaud. Surtout que c'était en 2016, à cette époque, j'avais à peine 17 ans, et mes potes aussi. Tomber dessus par hasard, c'est pas vraiment ce que demandaient mes potes à cette période. À la suite de cette vidéo, le Twitter officiel de BTS a disparu pour certains fans, alors qu'il fonctionnait toujours bien pour d'autres. Ça a conduit les armées à la conclusion qu'ils avaient bloqué toute publication et compte venant d'Amérique du Nord pendant une période, à cause de cette vidéo. Bungkook et Jungkook Teva Mourir. J'ai décidé de mettre Bungkook et Jungkook Teva Mourir ensemble, vu que c'est plus ou moins relié. Pour commencer, en janvier 2019, une antifan a décidé de faire une incantation pour tuer Jungkook, avec écrit « Jungkook Teva Mourir », avec une grosse faute d'orthographe sur son prénom. Ouais, ça risque pas de marcher ton truc. Pour le Bungkook, c'est un peu la même chose. À partir du 22 août 2022, énormément de comptes nommés Bungkook ont fait leur apparition, s'amusant à déformer le visage des membres de BTS, mais aussi pratiquant de la magie noire sur eux pour les faire tomber amoureux d'elle. Certaines vidéos sont devenues virales, avec plus de 60 000 vues, et cette trend est venue à la suite d'un compte nommé Bungkook to Us. Il s'agit de la première personne ayant réalisé ce genre de choses sur TikTok. Cette personne n'a rien pu contrôler puisque l'ampleur a grandi d'un coup et est devenue virale sur TikTok. Certains internautes ont fait circuler une photo de la soi-disant créatrice du compte, affirmant que celle-ci s'est faite attraper par ses parents suite à de nombreuses plaintes. Évidemment, des signalements de masse ont été faits, et suite à énormément de haine, celle-ci dira arrêter avec Jungkook et qu'il ne lui arrivera rien de mal. Cependant, quelques jours après, elle a dit vouloir essayer avec Jennie des Blackpink. Sa biographie indiquera ensuite « Je n'arrêterai pas cela ». Et évidemment, ça a été source d'encore plus de polémiques, surtout quand on a appris sur Twitter qu'une armée innocente nommée aussi Bungkook a été harcelée. Il faut savoir que Bungkook sur TikTok n'a pas été suspendue et qu'elle a simplement changé de nom. La mort de Lee Wiso. Un autre décès qui a vraiment impacté et détruit particulièrement Vie, il s'agit de son ami Lee Wiso. Après avoir connu le décès de sa grand-mère en novembre 2016, il connaîtra le décès du mannequin en octobre 2017, et la cause est un suicide. On sait comment être mannequin en Corée, c'est compliqué, et celui-ci n'a juste pas supporté le choc. Lee Wiso était un ami de Vie avant même ses débuts en tant qu'idole, et celui-ci l'a toujours encouragé. Malheureusement, pour faire les gros titres, énormément de journalistes et de fans ont utilisé le nom de Vie pour attirer les gens.
Et donc même après sa mort, il a été connu comme le meilleur ami de vie. Et je pense que c'est pas vraiment un deuil facile à faire dans ces conditions. Certaines personnes ont commencé à créer un hashtag spécifique pour montrer ces traces de mutilation que les ARMY s'infligeaient par tristesse d'avoir appris que Jungkook était potentiellement en couple. Ouais, j'espère que vous comprenez que je floute et ne montre aucune image choquante. Au début, l'histoire vient d'une femme sur Twitter qui a décidé de montrer son bras coupé, interdisant Jungkook de sortir avec une femme, sous peine de se tuer. Beaucoup d'autres ont suivi le mouvement, allant jusqu'à Instagram et ordonner Jungkook. Selon ses filles, il était responsable de leur potentiel suicide s'il continuait. Ce hashtag était très réputé, notamment durant l'année 2020, à ce que j'ai compris. Je vous avoue ne pas avoir voulu chercher plus loin, donc je m'excuse. Mais ce sujet est très sensible et j'ai pas envie de pousser certaines personnes à faire de même. Si vous allez vraiment pas bien, je vous rappelle qu'il existe des numéros de téléphone ou des sites au cas où que j'ai mis en description. Je ne sais pas si le hashtag précédent vient aussi de cette fameuse rumeur, mais il est vrai qu'en 2018, une rumeur assez flippante a fait surface. Une photo particulière de Jungkook du Festival Song KBS 2017 a commencé à circuler en ligne avec des internautes affirmant qu'il avait des marques d'automutilation sur son poignet. Beaucoup ont commencé à créer une dépression ou un mal-être à Jungkook sans que celui-ci puisse se prononcer. Et je rappelle que c'est le plus important, avoir l'avis et les propos du principal concerné. Cependant, la rumeur a été démentie immédiatement quand les ARMY ont montré d'autres photos quand il était présent, prouvant que le poignet de Jungkook était propre ce soir-là. En plus, les fans ont compilé des captures d'écran des poignets de Jungkook pendant CBS Gayo Daejeon, le 25, et le KBS Song Festival, le 29. Il n'y a rien. Alors d'autres ont spéculé en disant que c'était sûrement un jeu entre les BTS, et qu'ils se sont peut-être frappés au niveau du poignet avec les doigts, et qu'il a gardé les traces. En sachant que c'est un jeu coréen assez réputé pour les idoles, en attendant dans les loges. Mais je préfère évidemment ne rien affirmer. Vous vous souvenez de American Hustle Life, l'émission dont j'ai parlé dans la première partie de l'iceberg? Il y avait trois filles aux côtés des garçons lors de l'épisode 5 et 6 pour tourner le fameux clip de Boy in Love in Los Angeles. Victoria, Christina et Jewel. En faisant de petites recherches pour comprendre ce qu'elles sont devenues, j'ai appris brusquement que Jewel est décédée en 2014, 9 jours seulement après son apparition officielle dans les épisodes. Ouais, elle est décédée 9 jours après la publication de la vidéo. La raison de son décès est due à un accident de voiture à cause d'un airbag qui ne s'est pas déclenché correctement. Et son père a intenté plusieurs actions en justice contre Hyundai, mais on n'a pas plus de nouvelles. Elle n'avait que 26 ans. Voilà, c'est la fin de cette trilogie autour de BTS. J'espère que ce projet autour du groupe vous a plu et j'espère que vous avez appris pas mal de choses parce que personnellement, moi, oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est un projet qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de patience et c'est un gros projet en fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos iceberg et pourquoi pas commenter. Comment vous avez découvert BTS? Ça peut être sympa. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.